pardon, Journée internationale des droits des femmes, Ylva Sunny. Oui, merci. Donc, en lien avec les deux sujets précédents, je voulais revenir sur les manifestations autour du 8 mars. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier. Le 17 janvier, avec un petit retour en arrière, le 17 janvier 1975, était votée une loi portée par Simone Veil qui s'adresse à toutes les femmes. C'était la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. C'était le combat d'une femme à l'écoute de toutes les femmes et c'était aussi le combat d'une figure insoumise. Donc ce conseil municipal qui tombe un 17 janvier, c'est vraiment une aubaine pour souligner cette action. Et maintenant, un petit retour en arrière sur l'année 2018. Vas-y, Sylvain. Je voulais célébrer 3 victoires et 3 avancées au nom de l'égalité femmes-hommes. La première, c'est le prix Nobel de la paix donné en 2018 à Madame Nadia Murad, victime d'esclavage et de trafic d'êtres humains, et qui fut pendant 11 mois, l'esclave de Daesh, l'esclave sexuel de Daesh. Voilà, c'était à souligner. Deuxième avancée, en 2018, la création du premier ballon d'or au féminin. Ça arrive tard, mais ça arrive, enfin, en 2018, et c'est calqué sur le même modèle que le ballon d'or au masculin. Et puis, troisième avancée, on a assisté à la première condamnation pour outrage sexiste en France. Un homme s'est permis de mettre la main aux fesses à une femme dans un bus. La femme intervient violemment. L'homme l'insulte violemment. Le chauffeur arrête le bus. La police intervient. 6 mois ferme. Donc, petite leçon, gardons nos mains dans nos poches. Sur les hanches.